En tout cas, j'en profite pour évidemment remercier tous ceux qui ont partagé avec vous les premières journées. Florence Lejac, Johanna Clayton, Hervé Marquez et Cyril Cormier qui ont commenté les premières parties. Et qui sont derrière leur écran. On les salue. Et puis, merci d'ailleurs vous tous d'être restés à 7h, si tardive. Mais bon, ils jouent à l'autre bout des États-Unis, que voulez-vous. C'est ça, la côte californienne, ça fait. Ce putt, il était très très beau, j'ai trouvé là ce droite-gauche. La balle a roulé fantastique. Et c'est un peu ce qu'elle a dit finalement, hein. Le putting fonctionnait très bien et je me suis appuyé dessus pour garder confiance en moi. Celui-là il sera donné Arnaud, regardez bien, un petit peu à droite. Et ensuite, bim. Ce side spin absolument parfait. Elle qui est fan de Tiger Woods, je dois dire que c'est Tiger Woodesque. Ouais, surtout que ça n'a pas été toujours facile, voilà, ce petit chip là qui a failli rentrer, c'est pas évident. Hein. Elle a été courageuse presque d'attaquer ce trou là, enfin offensif en tout cas. C'est le chip aurait pu rentrer là, par au 15. Et le 15, voilà, ça c'est pour le par, souvenez-vous. La balle qui va rentrer, sortir et rentrer. Exactement. Et ça aussi, c'était le signe de la gagne avant l'heure. 17, ouais, ce chip extraordinaire. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas du jeu toujours donné, mais tout le reste. On a tellement cru qu'elle tomberait. Un jeu complet. Elle sait un peu tout faire. Et puis le petit putt du 18. Son cadet également, apparemment une bonne entente. Et regardez évidemment ce classement à la Race to CME après Lion Inspiration grâce à son très très bon classement. 14 places d'avant. De gagner. Nelly Korda est toujours devant. Siung Kim 29. Wow. C'est impressionnant. Ils sont que deux. Voilà. Bah oui, distanciation oblige. Et voilà la photo, le saut. Eh ben, elle s'en sort plutôt pas mal hein, pour quelqu'un qui ne sait pas comment y parvenir. Et encore une très belle victoire et surtout une très belle championne. D'équipe. Ouais, bravo. Hein. Pleine d'humilité. Ouais, franchement, moi je l'ai bien aimé. Moi aussi. Grande championne qu'on. De toujours. Enfin, depuis le début de la semaine. Bonne attitude, elle a su faire face quand ça n'allait pas, elle a su rester sereine. Ça fait moi une grande championne. Je lui souhaite une énorme carrière. Ouais, exactement. Et bravo à Lydiaco et toutes les autres aussi. Hein. On est d'accord. Alors cette fois-ci, c'est voilà, c'est officiel comme le dit Jerry Falls. Alors juste une petite remarque quand même. Vivement le retour du public, hein, parce que ça fait bizarre. Ouais, c'est pas un bruit là. Ah là là, c'est pas que ça sonne creux, mais ça crie dans tous les sens. C'est juste, voilà. Bon, on a eu les images. Je remercie Sébastien qui nous a permis d'attendre au moins jusqu'à la fin de cette petite cérémonie. Je crois qu'il va y avoir encore des quelques petites déclarations, le trophée, et on va se quitter. Voilà. Voilà, on aura une image au moins. Avant tout le monde, vous êtes les privilégiés. C'est bien normal et j'en profite, on va se quitter maintenant.